Et re YouTube, bienvenue pour cette winner finale. Sache que ça fait déjà 1-0 pour EasyCut parce que les serveurs à Nintendo, ils n'existent pas. Ah, ils partent sur un DF en 2D, les coquins. Les coquins. Oh, c'est marrant, ils ont fait une dash en même temps des deux côtés. C'était marrant. En tout cas, on est parti pour ce second match. Ça fait 1-0 pour EasyCut. Vous avez loupé le premier match parce que moi aussi, je l'ai loupé. Apparemment, c'est joué à un stock, hein, de ce que j'ai su d'après les infos de chat. Donc, on va voir comment ça se passe pour l'instant pour les Agui, qui a l'air. Pas si mal que ça sur ce match-up, on va voir s'il s'en sort, s'il comprend un peu mieux EasyCut qu'il a pu comprendre il y a 2 semaines lors de la dernière winner finale que vous n'avez pas vu non plus, parce que nous non plus, nous ne l'avons pas vu, puisqu'on ne les verra donc jamais. Parce que cette clé qui a été projetée par la batte et à l'Eka, la punie du piqué freeze avec la clé. Il a loupé sa reco de flèche, il va récupérer la cloche je pense, malheureusement un tout petit peu décalé. Allez, en tout cas, c'est parti. Le jab, piqué freeze, pas de punish, attention. Attention, Lucas, qui s'est passé en position un petit peu dangereuse. Oh, la pop qui était bien jouée du côté de Zaggy, par contre, pour le coup. T'as vu ce qu'il a fait? Il a fait un petit tour de manège. Ça fait un petit tour de manège. Les Zaggy qui, on rappelle, nous a dit avant le tournoi, je jouerai un nouveau personnage aujourd'hui. Et je passe un pack seulement en loser si je galère. Et au final, on a vu que son Pac-Man aujourd'hui. Bravo. Bravo pour le courage. Alors, en tout cas, pour l'instant, on est à 20% et... Oh, quelle erreur sur le piqué Fire enfoncé dans les personnes premier. Stock. Alors que Showy emporte 2-0 face à l'Encaster GG à 3 Showy. L'Encaster qui finira à la 5ème position pour sa première participation. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise perf. J'ai pas vu le stock perdu du côté Yazagi, du côté EasyCut pardon. J'espère que vous sur le chat vous l'avez vu. Oh, le pari, up smash, faire directement. Oh, il reviendra. Non, il reviendra pas. Quel dommage. C'est dommage parce que il était vraiment proche. Le footstool est un peu inutile derrière, mais bon, il n'y a pas de vrai footstool, c'est plus un fantôme. Ah, il n'est pas réussi à faire son combo complet. On se souvient des combos, je crois que c'était Terence qui les faisait avec son vaisseau. Comment ça s'appelle? C'est le truc qui tourne. Énorme. Oh là, l'orange touche en dessous. Vous avez dit qu'il a à couvrir un petit peu les options de Nidtox de recours. Hein. Ça se passe plutôt bien en Edgeguard, j'ai l'impression. Même si en neutral, c'est un petit peu compliqué encore, j'ai l'impression. En Edgeguard, il est un peu plus solide. Attention à ce piqué. Ouais, il revient quand même. Pac-Man qui se dit, est-ce que je vais récupérer mon truc pour me soigner? Non, c'est pas une bonne idée. Le pari directement, le backup pour punir directement. Le backstroke, il tourne pas directement. Et pour l'instant, bah... Même si on avait un match plutôt serré, bah on a quand même l'impression qu'on a un Yazagi qui a quand même un stock de retard et qui va avoir du mal à revenir sur ce round. Non, on va voir, on commence pas par exemple Cox qui fait le taf. J'ai une frayeur sur la backstroke, tu n'auras pas encore par contre. Sauf si la DI n'est pas là. Le fer, il n'y a plus de saut du côté. Mais il y a un teaser grab. Allez, le faire directement. Piqué fire. Ça ne suffira pas, Mr. Win. Tu l'emporte 2-1, GG à toi, Mr. Win. Qui est en train de faire la perf, peut-être, du tournoi. Lancaster qui rage sur le chat, on s'amuse bien, on rigole bien, on se tourne bien lui. Mais Yazagi qui n'arrive pas à trouver le kill. Oh, il a pas osé punir, il a peur de ce bi. Pour 142%. J'ai du mal à avoir un Pac-Man sur un stock complet derrière. Hein. J'ai du mal. Le faire, oui, ça tuera pas par contre sur spot comme ça, malheureusement. Ça me paraît compliqué. Pas de punir du côté EasyCut qui n'ose pas. Qui n'ose clairement pas y aller. Qui n'ose pas, Baka. Il peut y aller au Baka. Hein. Je pense qu'il connaît pas assez la reco de Lucas. Pour prendre encore des risques, j'allais. La pomme qui tue par contre en reco. En charge, le grab directement. Up throw, up air. Bien sûr, 33% avec le backer derrière.
Attention, maintenant il faut que Zuko face à face. Il faut que Zuko trouve les moyens de kill To. Il a la rage, il est presque full rage. Il est presque full rage, la clé est chargée pour l'instant. Ah, il a loupé sur la borne derrière. Pour l'instant, tu vois, Zuko qui est en train de des phases. Et Zuko qui est en train de remonter très probablement la 4 sur Zuko qui pourra 71%. Cette phase de Yazagi Zuko qui doit se reconcentrer avec le Rurta fait. Attention à ce F-tilt. Qui tuera? Qui tuera? Ah là là, c'était chaud. C'était chaud. Et le 2-0. Est-ce qu'il est plus mérité ce round? Je suis pas sûr de... du mérite parce que Yazagi a fait un taf monstrueux. Et s'il arrive à reproduire ce schéma, s'il arrive à reproduire ce schéma derrière... Pourquoi tu parles Yazagi? C'est pas fini, hein, ça fait 2-0. Yazagi qui n'a pas compris le concept d'un BO5. Incroyable. Pardon YouTube, on a des viewers qui sont là depuis le première édition du pot et qui ne comprennent pas comment ça fonctionne encore. Alors que c'est le même fonctionnement depuis 11 semaines, enfin 12 du coup vu qu'on a une pause. Et pas de soucis Lancaster, n'hésite pas à rester là, il y en a qui veulent freeplay, j'ai vu dans le chat si tu veux freeplay avec ton second et le travailler. N'hésite pas. Zegi dit ouais c'est bon on fait DF, on continue. Ndiok mais il a pas le choix donc il a annulé, il est parti changer de perso map, je ne sais pas. Ah bah il faut que tu le trouves. Est-ce que je fais une arène après? En général après le tournoi on arrête parce que ça finit assez tard. Donc moi je fais pas d'arène prévue on stream. Par contre je sais qu'entre viewers certains qui ont déjà perdu en tournoi font des arènes. Donc ne pas hésiter à les rejoindre si vous voulez jouer de votre côté. Et pour l'instant, en tout cas, ça charge du côté Intox qui est en train de passer ses phases à nouveau, comme lors du match juste avant. Ouais, je suis au top 4. Top 4. Qui en vrai était ta place prévue par le Chio. Donc, du coup, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ouh, cette phase de OSF, par contre, qui est très très mal à Intox. Intox, il fait quand même des petites boulettes devant. J'ai l'impression devant. Alors, je sais pas s'il joue. On dirait qu'il joue calme pour éviter que l'adversaire se rage des fois, j'ai l'impression de son jeu. Je sais pas si c'est le cas du tout, hein, mais c'est... C'est l'impression que ça donne un petit peu. Ah, le Chio est incroyable, tu regardes le seeding est magnifique pour les top players, pour l'instant. Ah, je sais qu'il le faudra, mais ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que le match prêt va sûrement être très compliqué en fonction de qui l'emporte entre Mr. Win et Teyoken. On apprend toujours d'une défaite, j'ai envie de précoce. Ah, vous avez le Sro qui tuera déjà à 130. T'as tué vachement tôt, hein, les Sro de Lucas. Une cloche chargée du côté de Yazagi. Oh, c'était marrant ce qu'il a fait là. Petit mix-up rigolo. Petit Fire qui finit par contre la reco un petit peu dégueulasse du joueur de Pac-Man. Pour rester poli, la Backstro qui tuera pas encore 120% du côté du Lucas. Il tente beaucoup de mix-up avec son side B pour l'instant. Je sais pas s'il va rester sur ces phases-là. Je ne pense pas qu'il va continuer à faire ce message, parce que ça fait deux fois qu'il le tente. Et que ça ne passe pas. Ça ne passe clairement pas. Ouh, le backer pour punir. Izuka, t'as vu venir la phase de backer sur les égouts. Ça n'a pas suffi. Et Yazagi qui a pris un petit peu tarif sur cette phase. Par contre, ce side B qui arrivera à retirer le sol 100% sur l'aide alors qu'il l'envoie d'un côté. C'est vraiment incroyable ce qu'il a sorti. C'est incroyable toute phase. Très très propre du côté 18 cut. Allez, qui a tenté une phase un petit peu à la balls de recovery Ubitao pour essayer de voir. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il est mort. J'ai l'impression que des fois, depuis Smash 4, il y a des phases où tu désaides, tu ne comprends pas pourquoi. On dirait que c'est scripté un peu, tu vois, parce que il a fait son saut, on l'a vu partir à l'Orital et il est mort derrière. Alors est-ce qu'il a fait une erreur derrière en... Je pense que c'est peut-être la bouche d'égout qui a changé sa hitbox. Je sais pas exactement, mais c'était un petit peu bizarre. C'était un peu bizarre. Mais quand on a un petit stock d'avance là du côté du cas, ça me paraît maintenant compliqué. Faut que Zagita arrive à trouver les phases, arrive à retirer un stock peut-être early
Ça pourrait lui faire du bien. Malheureusement, il a pas lu cette erreur 18 cut. Il a pas réussi à la punir d'ailleurs. F-Splash après le nerf. Bien joué du côté de Zaki pour l'instant. Qui a pas tant de retard que ça. On l'avait fait un stock tellement clean tout à l'heure qu'on peut s'attendre à tout. Qu'on peut s'attendre à tout. Est-ce que ça suffira? Le suspense est incroyable. Il a tenté malheureusement encore un coup avec Claw, mais Zikot l'a vu venir. Le nerf out of shield pour punir directement de cette tentative d'agression. Il a pas réussi à récupérer le melon derrière. Quel dommage. Je sais pas si c'est un melon ou une grenade. Pas la grenade d'objet, mais le fruit. Hein. Vous êtes d'accord. Il y a un fruit qui s'appelle une grenade, les gens. Sachez-le. Exactement, Shaw, oui, t'as loser semi-là, Stracast aussi, oui. Et tout sera en BO5. Alors que la lumière s'éteint. C'est pas le moment. C'est pas le moment, jeu vidéo, de nous cacher ce moment. Le nerf directement puni au nerf. Zaggy, très bon ce punish au nerf dans le shield. Il a vraiment compris comment bien passer ça. Il arrive bien à comprendre les phases où ça va passer bien contre eux. Ah non, non, il y a Zaggy qui a trop attendu, je pense. Il a pas forcément cru, j'ai l'impression, à gauche. Il a pas mis directement qui punit dans le rap. Dernier stock, peut-être pour Zaggy. Ou va-t-il réussir enfin à prendre son premier round? Allez, le Galaga qui met les dégâts pour l'instant. 19% de back throw. Le père qui ne passe déjà plus à ce pourcentage avec le si peu de rage et le. Oh, tchou, tchou, tchou. Attention, Don't Smash qui ne fuchera pas. FT directement derrière, ça passe pas encore. Et ce kill que je n'ai pas regardé parce que je lisais le texte passionnant de caster qui se disait que Zelda est pas l'autre, je pense, mais en fait. Bon, attendez. 2-0, 3-0 déjà pour Izuka, déjà lui. Des bisous YouTube.